Ça fait 10 ans qu'on attend ce moment. C'est très important pour nous. On est content d'avoir ce procès. Fin de l'attente pour les familles de Zied Bena et Bouna Traoré. Les deux jeunes étaient morts dans un site EDF de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis après avoir fui la police, ce qui avait déclenché 3 semaines d'émeutes dans les banlieues françaises. 2 policiers comparaissent à Rennes pour non-assistance à personne en danger. Ils encourent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Dernières heures en Israël avant des législatives très indécises. Les sondages ne sont pas favorables au Premier ministre Benjamin Netanyahou, le leader de la droite qui a abattu lundi ses dernières cartes en mettant la question de l'unité de Jérusalem, de la création d'un État palestinien et de la colonisation au cœur du débat. Près de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Son petit-fils l'avait accusé de viol alors qu'il était mineur, avant de se rétracter. Le procès en révision de l'ex-maire de Vence, Christian Iacono, s'est ouvert devant les Assises du Rhône. Condamné en 2009, puis en appel en 2011, il aura en tout passé 16 mois en prison, avant d'être libéré il y a 3 ans. Après l'échec du mois de février, le bras de fer entre routiers et patronat sur les salaires est relancé. Blocage, opération escargot, des actions ont lieu dans toute la France. Les syndicats exigent la reprise du dialogue, une reprise également souhaitée par l'État. Le foot français sort un carton rouge pour Zlatan Ibrahimovic. Un dérapage verbal à l'issue de la défaite du PSG à Bordeaux dimanche pourrait coûter cher à l'international suédois. Des excuses sous forme de communiqué le soir même n'ont pas calmé les esprits, notamment ceux du syndicat des arbitres et du ministre des Sports. Sanction ou pas sanction, le cas Zlatan sera étudié jeudi par la commission de discipline de la Ligue professionnelle.